Il y a personne qui me regarde. De toute façon, je m'en fiche. Oh, génial! Wouhou! On se croirait sauveteur hélicoptère. Accrochez-vous à moi! Ouais, c'est bon, il m'a sauvé! Ouais, merci, de rien! C'est gratuit. Make me work, make me sweat inside. Make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un peu spéciale. Pourquoi ? On va bricoler un petit peu le camion, ça y a pas de souci. Déjà, on est super embêtés parce que il pleut, il fait que ça, c'est quasiment inondé tout autour du camion et ça devient de plus en plus compliqué à travailler dessus. J'attends aussi mes plaques pour pouvoir fermer le derrière du camion et pour pouvoir enlever enfin cette bâche qui nous bloque aussi pas mal au niveau des travaux. Enfin bref. Aujourd'hui, je vais consacrer une journée à faire plaisir à Jean-Philippe. Parce que Jean-Philippe, là, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, on est jeudi. Il rentre demain, donc vendredi. Et il passe le week-end ici. Lundi, c'est son anniversaire. Lundi d'après, où il va repartir au boulot, ça sera son anniversaire. Je pense qu'il prend 35, 36 ans. Un truc comme ça. Et du coup, on lui a fait un cadeau. Et je me suis dit, comme il n'a jamais le temps de bricoler, et qu'en plus, dès qu'il est ici, il veut absolument m'aider... Et eh ben, ce cadeau, je vais lui installer. Ça va me prendre une petite journée, mais c'est pas grave. Hein. Quand on voit tout le temps qui passe à nous aider, ça vaut bien une journée de boulot à se consacrer pour Jean-Philippe. Et ça me fait plaisir en plus. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Je vais vous expliquer tout ça. Je me suis mis dans son garage parce qu'il n'y a que là que je suis au sec. Et de toute façon, ça va se passer ici. Je vous présente le petit cadeau. Alors, attention. Ah, c'est bon, vous voyez? Alors, le cadeau, c'est quoi? C'est un palan électrique. Parce que Jean-Philippe, il faisait ça avec, vous savez, le petit palan en chaîne. Donc le petit palan en chaîne, c'est super bien, parce qu'on peut le mettre un peu partout, c'est mobile. Et c'est vrai qu'il avait dit, ah, ça serait top, un petit truc électrique. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, attention. Voilà. Donc, j'ai cherché sur Internet, j'ai acheté ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description. Allez, hop, ça, je le place. Et vous verrez qu'il est pas mal, normalement. Techniquement, sur le papier, il est très bien. Je vais vous faire sa présentation. Et je vais le démonter. Est-ce qu'il est assez lourd, hein, Coco, là? Oh la vache. Oh, il sait. C'est petit, mais c'est lourd. Alors voyons voir ça. Voilà, ça lui permettra de bricoler quand il démonte un moteur, quand il a des pièces lourdes à démonter, tout ça, pour préserver son petit dos. Parce que bah, comme il arrive bientôt à la quarantaine, forcément, il va falloir qu'il se préserve, pépère. Hein. Il est plutôt jeune. Hein. Donc vous avez un câble, donc ça se fixe à l'envers. Hein. Là, il est à l'envers, en fait, ça se fixe dans l'autre sens, en haut. Le challenge, c'est qu'il va falloir que je fasse des pattes de fixation, parce qu'il a prévu une poutre à cet effet déjà. Et il va falloir que je fasse des pattes de fixation pour me reprendre dans sa poutre sans faire de trous, sans rien faire, parce que je ne vais pas aller lui faire des trous dans ses poutres, bien sûr. Je vais juste me reprendre sur sa patte de fixation, faire des cales de bridage pour pas que le treuil bouge. Ça aurait été top, c'est de faire des rails et tout, vous savez, avec des roulettes et tout, mais bon, là on part sur autre chose, quoi. Alors la puissance, attention, tenez-vous bien. La puissance, ça fait, donc ça peut descendre, le câble il fait 18 mètres, donc il y a de quoi descendre. Ensuite, en maximum, il peut prendre 300 kg. Et si on met la poulie de mouflage, il peut prendre 600 kg. Donc, autant vous dire que c'est pas le petit modèle. Hein. Ça commence à faire déjà 600 kg avec une poulie de mouflage. Et voilà, puis bah, il a un frein exprès, tout ça. Il est vraiment sécurisant et on voit bien que c'est de la qualité. Voilà, de toute façon, on voit comme il est lourd. Vous voyez, la poulie de mouflage, elle est ici. Ça, c'est la petite poulie de mouflage. C'est ce qui vous permet de soulever beaucoup plus lourd. J'espère que ça lui fera plaisir, en tout cas.
On va installer, je vais commencer à préparer les barres de fer, tout ça, pour faire les barres de fer, pour faire le... This is a story about love, a love story. Music is love, and love is music. Je vais finir d'installer tout ça, je vais mettre les fils propres, comme ça, ça sera branché, il n'aura plus qu'à tester. Et en fait, voilà. Donc, je vous raconte un petit peu notre mise en scène. Nous allons... Il va arriver vendredi, et là, on va dire, bon, on se fait une petite bouffe pour ton anniversaire, tout ça. Jusqu'à là, ça va. Mais en fait, ce qui ne sait pas, c'est que le gâteau, je vais l'accrocher tout en haut. Je vais faire un petit grappin, et je vais monter le gâteau là-bas, que Charlotte, elle va faire, ou là, on va l'acheter, on ne sait pas encore. Donc là, on va manger tout ça. Je vais lui offrir un petit cadeau, un petit truc, une petite babiole comme ça, histoire de... Et puis là, je vais lui dire, on va chercher le gâteau. Et là, il va arriver dans son garage, il va ouvrir. Et son gâteau, il sera en haut et c'est lui qui va le descendre. J'ai pensé ça tout seul. Voilà. Hein, ça va lui faire plaisir, non? C'est cool. Ah, je suis content. On voulait lui offrir comme ça, c'est tiens, un palan. Je me suis dit, ouais, mais un cadeau, c'est toujours mieux quand c'est monté. Un peu comme les voitures, vous les offrez, ils sont dans le carton, il faut enlever les fils. Souvent, on n'a pas les piles. Là, au moins, c'est bon, c'est un cadeau qui est prêt à fonctionner et c'est cool. Voilà, allez, je finis tout ça et on se retrouve dans le camion parce qu'il faut qu'on avance un peu quand même. Bon, j'ai quand même travaillé un petit peu aujourd'hui. Hein. Là, c'est le soir, on va pas tarder à aller manger, puis on va reprendre les travaux demain. On va commencer à mettre l'isolation sur les murs, tout ça, et à mettre les premières plaques de contreplaqué. Et là, je me suis fabriqué ma petite poignée de porte intérieure. Ça, c'est une pièce unique. Il n'y a que moi qui l'ai, celle-là. Vous voyez ? Entièrement fait en acier. Oh, c'est dégueulasse, là. J'ai un petit trou. Alors, je sais pas, je voulais la laisser comme ça, en acier, pur. Comme ça, elle va se patiner avec le temps. Donc ça rentre... comment aller ? J'espère que je ne l'ai pas soudée. Voilà, j'ai une petite rondelle que j'ai soudée ici. Je vais venir la visser dedans et ça va me faire une petite poignée comme ça. Et je peux tirer, fermer de l'intérieur. Nickel. Ça m'a évité de racheter une serrure qui coûte assez cher et je vais faire ça avec ma petite serrure 3 points qui m'a coûté 80 euros. Voilà. Franchement, c'est pas mal. Je suis content. Je vais aller la monter. On va voir si ça fonctionne bien. Oh, on se retrouve ce matin. Voilà, le palan il est monté. Jean-Philippe, c'est bon. Tout est OK. Il ne reste plus qu'à trouver un gâteau pour le suspendre sur un genre de grappin. Comme ça, on lui fera la surprise. Allez, viens, on va chercher le dessert dans ton garage. Et puis là, il verra son palan. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, hier, j'ai fabriqué cette petite poignée design que vous ne trouverez nulle part. Elle est en métal, j'ai découpé ça dans une barre de direction.
une vieille barre de direction de voiture. Et j'ai soudé ça en fait sur le petit support, voilà, qui est ici. Je vous fais une petite démo. Hop. Oui, elle se tourne à l'envers, il n'y avait pas le choix. La porte, elle aurait été de l'autre côté, ça aurait été, mais comme il faut que la porte soit côté route, mais pas côté sens de la marche, vous voyez ce que je veux dire? Au cas où, si la porte, elle s'ouvre, bah, elle ne peut pas s'ouvrir si jamais on roule. Qu'elle serait dans l'autre sens, c'est interdit. Interdit. Voilà. Donc, du coup, j'ai mis ça comme ça. C'est une petite poignée, bah, c'est un coup à prendre. Franchement, c'est pratique. Regardez, hop, j'ouvre ma porte, je ferme. Voilà, tac. Et là, j'étais en train de monter le système 3 points qui se compose de deux tiges. Excusez-moi, chien. Chat dans la gorge. Voilà. Ça vient comme ça. Ça vient comme ça ici. Vous voyez? Tac. Et ensuite, ici, vous avez une petite butée. Donc là, c'est bon, j'ai coupé la tige à la bonne taille. Vous voyez, vous avez une petite butée qui vient ici. Et je vais vous expliquer le problème. Viens là. Hop. Voilà. Je vais vous expliquer le problème. C'est qu'en fait, vous avez vu ces pattes-là. On dirait qu'il faut mettre des genres de petites vis à bois. Vous voyez? Et bah, si je mets des vis à bois, bah, ça n'a aucune utilité parce que vous tirez dedans, ça s'en va des vis à bois. Enfin, je veux dire, ça ne tient pas. Alors, il faudrait que j'arrive à trouver. J'ai déjà vu ça, vous savez, un peu comme dans les portières de. Un peu comme dans les portes de maison. C'est deux vis de chaque côté, sauf qu'il y en a un mâle et un femelle. Et il faudrait que je trouve un petit modèle, comme ça, extérieurement, ça fera propre. Ça fera une vis qui rentre dans le bois. Et là aussi, ça fera une vis qui rentre dedans. Et au moins, si on s'amuse à dévisser, ben, on ne pourra pas trop le dévisser. Au pire, je mettrai du Loctite et je ne serrerai pas trop fort pour justement que ça puisse pas se dévisser. Parce que là, ça n'a aucun intérêt de mettre un 3 points si c'est pour mettre des vis à bois comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème extérieurement, c'est que... Ou alors, je mets une vis avec un écrou, mais l'écrou va se retrouver à l'extérieur. Et s'il se retrouve à l'intérieur, s'il se retrouve ici, l'écrou, eh ben, ça ne va pas passer avec ma barre. Vous voyez, ça va faire dégueulasse si je mets les écrous ici. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, quoique ça pourrait peut-être passer les écrous. Hein. Allez savoir. Oh, j'ai l'impression que ça peut passer. Je mets ça avec un écrou et je le meule. Je le meule pour que ça passe pile poil. Ça serait pas bête ça. Ouais, ben je vais voir, je vais essayer de faire ça alors. Pour mettre ce système 3 points. Et ensuite, ça nous fera un système 3 points. Vous voyez? Hop, ça se déverrouille. Et ça se déverrouille. Ben, comme un système 3 points. Enfin, c'est un système 3 points de toute façon. Là, il me reste des boulons que j'ai pas, faut que je les achète. Et ensuite je coupe au ras, vous voyez, tac, tac, tac partout. Ici, bah, il faut que j'en retrouve parce qu'ils en avaient plus au magasin, j'y suis retourné, ils en ont toujours pas. Vis plus écrou. Après, du coup, on coupe tout au ras pour que ça fasse propre. Et on va commencer aussi à isoler ce côté-là. Je vais voir comment ça se passe avec le stérodur, les tasseaux, voir si ça va bien. Et si ça va bien, après j'attaque le plafond. Et puis après, ça va vite, ça va aller très vite. La semaine prochaine, il y a le bois qui arrive, ils sont un petit peu en retard. Bon, c'est pas bien grave, ça va me permettre d'avancer sur autre chose. Il y a le bois qui arrive et bah, il y aura tout à installer. Après, ça va falloir que ça dégomme, hein. Sérieusement. Là, je vais vous retrouver ce soir pour le petit anniversaire de Jean-Philippe. On va voir s'il apprécie son cadeau. Et tout à l'heure, on court sur le Mans chercher des pots d'échappement qu'on a trouvé sur Internet. Des pots d'échappement d'origine, tout en inox, tout complet avec les caches tout, nickel. Pour le Vigor. Il est chez Honda, là. Et ils ont commencé à faire réglage de soupape, bougie, vidange. Ils ont fait un petit entretien et ils vont faire les joints SPI bientôt. Ils attendent les joints. Par contre, ils galèrent à trouver les pneus apparemment. Donc, bah, je ne sais pas trop comment on va faire. Si bah, je vais récupérer la moto, moi je vais acheter les pneus, je les changerai moi-même. Mais c'est chiant, quoi. Faut faire l'équilibrage et tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne sais pas quoi faire avec les pneus, là. Il y en a, mais apparemment on ne peut pas les monter. Voilà, c'est un... Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Voilà, c'est un peu ça le truc, en fait. Voilà. Il y a des pneus, mais ils ne se montent pas. C'est un peu ça aussi. On verra ça. Allez, on se dépêche parce que faut partir. Et là, pour le coup, les pots d'échappement d'origine, il ne faut surtout pas que je passe à côté. Voilà. Et du coup, il y aura des pots pseudo Akrapovic à vendre, si vous voulez. Je ne sais pas trop si ça vous intéresse. Je fais ça à un petit prix. Je ne sais même pas si c'est des vrais, en fait. Comment voir si c'est des vrais, en tout cas, niveau qualité de finition. On ne dirait pas des vrais, en fait. Je ne savais même pas que ça se faisait des copies en pot d'échappement. Vous êtes nombreux à m'avoir dit « Ouais, c'est des copies que tu as derrière, c'est des copies chinoises. » Alors franchement, je ne sais pas du tout, là. À voir. Allez, à tout à l'heure. Ouais, vous entendez pas parce que je peux pas mettre fort parce qu'il y a droit d'auteur. Terry Moïse, c'est vieux, ça. Hein, c'était bon, ça, dans le temps. Alors voilà, c'est là, regardez. Hop, en fait, j'ai réussi. Voilà, le système 3 points est monté et j'ai réussi à mettre mes petits boulons. Avec un petit point de soudure, comme ça,
pour les petits malins qui voudraient desserrer le système 3 points de l'extérieur, eh ben ils arriveront pas. Et s'il faut démonter ça un jour, bah faudra meuler. Donc tous les écrous sont montés avec des contre-écrous, comme ça si vous dévissez de l'extérieur, ça tourne dans le vide. Ceux où j'ai dû meuler parce que ça passait pas, j'ai mis un tout petit point de soudure. Donc cette serrure est inindémontable, ça se dit. Cette serrure est inindémontable. Cette serrure est indémontable. Cette serrure est indémontable de l'extérieur. Alors, petite démonstration. Hop, voilà. Vous avez vu? Fermé. Tu restes avec moi, cocotte. Voilà, c'est fait. Bah, il me reste plus qu'à mettre, vous savez, un petit coup de peinture à droite à gauche, parce que bah, là, le chromé, il a... Ah non, c'est bon. Il a un petit peu sauté, mettre un petit coup de peinture pour être sûr que ça rouille pas. Après, il y aurait une isolation et une finition ici de 4 cm, donc la porte sera beaucoup plus lourde. C'est pour ça que j'ai fait la clinche qui s'arrête comme ça, vous voyez, parce que l'isolation va arriver là à peu près. Donc on aura une toute petite porte, une toute petite poignée de porte, à actionner avec nos petites mimines, hop, et voilà. Fermé. Eh, c'est du costaud, hein. Oh la vache. Ça, je veux dire, vous balancez un éléphant dedans, je peux vous dire qu'il se fait mal, il s'assomme. Ou un rhinocéros, ça dépend. Ouais. Allez, hop. Bon ben voilà, c'est fait. Fermé. Je suis super content parce que j'ai réussi à faire d'une serrure 3 points pour coffre de SMI. Je pense que c'est pour des coffres extérieurs. J'ai réussi à faire une serrure 3 points intérieure. Je l'adore ma poignée, je la kiffe. Regardez comme elle arrondit. Elle est super agréable à caresser. Oh, si vous aussi vous voulez caresser la clinche de porte, il faudra venir à la vanne. Eh ouais. Elle est vraiment très agréable. Très agréable. Je pense que je vais rester là un peu et je vais continuer à la caresser tout doucement. Je vais la réchauffer. Ça y est, je la sens chauffe. Avec ma chaleur corporelle, j'arrive à la réchauffer. Oh, c'est bon. Bro, start and stop. Elle fait start and stop. Je vous laisse avancer. Depuis que j'ai le start and stop, je consomme beaucoup moins. Ah bon, bah, ouais. C'est très bien. Regardez, c'est super. Démonstration. Là, tu les rentres. Bonjour. Bonjour. Merci. Voilà. Je vais vous faire une démonstration au start and stop. Vous connaissez? Ouais. Sur un vieux véhicule. Sur un vieux véhicule. Ouais, regardez. Allez, je vous dis au revoir et je pars. Hein. C'est parti. Start and stop. Oh, j'ai failli prendre la bite. Oh putain. T'as vu? C'est bon, tourne là. T'as vu, c'est des oignons de fleurs. Il y en a qui sont en train de pousser des tulipes. Wow, non, c'est trop beau. Tu vas en récupérer avec Lucie. Oui. Que Lucie et Théo. Vous prenez des petits oignons avec les fleurs qui sortent tout juste et on pourrait les replanter dans des pots. Ok. C'est bizarre, hein. Mais non, mais tu prends un bulbe avec la fleur dessus. Regarde les blanches qui sortent à peine là. Voilà. Non, faut que le bulbe y sorte. Ouais, il avait percé, mais j'ai pas de chance. C'est marrant de tomber sur des bulbes de. Voilà, faut qu'elles soient en bon état, nickel. On les mettra dans des pots, c'est des tulipes. Excellent. C'est pas des oignons, c'est des bulbes. Tête de bulbe. Oh, je sais pas si on va y arriver, on a fait mieux que la fois dernière. Il nous reste 27 km d'autonomie. J'arrive pas à m'habituer, moi. Il n'y a pas d'autonomie dans cette voiture. C'est vrai. Hein. On est habitué à faire un plein et 1500 km. On fait que de rouler aussi. Là, c'est pas évident, quoi. C'est bon, on a trouvé une station. Ouf. Dis donc. Il y a fou. Ça va, t'as le temps. Bon, j'ai bien compris. C'est moi qui vais mettre du gasoil. Exactement, ouais. Ok. Ça me dérange pas. Même si tu roules. Bon, bah, j'y vais alors. Vas-y. C'est parti. Non, non, mais vas-y. Je regarde. No more, you take away my pride, we're over. Ooh, friends have been chatting.
and above. We they know everything can help what they see. Bon, ça y est, on vient de rentrer. Jean-Philippe, il arrive dans une petite heure environ. J'ai commencé à préparer le palan. Regardez ce que j'ai fait. Alors, l'idée, c'est ça. Hein. C'est qu'on mette le gâteau dessus. Charlotte est en train de faire des petits gâteaux, des petits moelleux au chocolat. Voilà. On va poser les gâteaux dessus. OK. On va les monter tout en haut. Hop. Et là, on va arriver. On va dire, voilà, on vient chercher le dessert. J'ai pensé à ça. Et puis, il y aura les petits gâteaux qui seront posés sur la plaque en galva. C'est vraiment très appétissant, en fait. Voilà. En tout cas, bah, j'espère vraiment que ça va lui plaire. Voyez, là, elle est finie d'installer. Hop, voyez. Voilà. Ça fonctionne super bien. J'ai attaché tous les câbles. Tous les câbles sont attachés, puis là j'ai mis un petit truc avec un tendeur, comme ça il peut passer ses voitures sans problème, et s'il a envie, il a juste à le détacher d'ici, hop, pour y accéder plus librement. Voilà. Voilà, bah, du coup c'est monté, on attend que Charlotte elle mette ses petits gâteaux dessus, puis on verra ce soir si ça lui plaît. On va découvrir tout ça ensemble, parce que j'ai laissé mon appareil photo ici, et je viendrai allumer avec la lumière avant. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je lui ai dit au téléphone tout à l'heure, interdiction de rentrer dans ton garage. Il a dit, oh non, c'est ma deuxième maison, je fais non. Tu vas pas dans ton garage ce soir, c'est interdit. Voilà, Jean-Philippe, il est rentré. Ça y est, la semaine est finie. Alors, ça fait quoi d'avoir bientôt 35 ans? J'ai dit 37, mais j'ai dû me tromper. À vous deux, j'ai presque votre âge. Ouais, c'est ça. Bah ouais. C'est pas 35? Ça pourrait être mon père. Je pensais pas que t'étais si Allez, on vieux. Va faire 10 ans moins. 45? Non, 54. Il va prendre 54. 54 ans. Ça fait 45 à l'envers. 45 à l'envers, c'est ce que je dis. Ouais, mais ça te rajeunit pas, même en le mettant à l'envers. Ouais. Voilà, nous allons t'annoncer le repas de ce soir. Ah, attention. Hein. Attention. Là, je suis gâté, il y a la cuisinière, elle est là, elle surveille. Nous vous écoutons. Elle a fait son menu. Alors, il le sait pas, il va découvrir en même temps que Il vient d'arriver. Alors, en apéro, nous aurons des petits roulés avec des saucisses végées. Nous aurons des petits roulés fromage tomate. Nous aurons un petit pré-fou chèvre miel. Nous aurons les restes des accrements d'hier. Ouais. ensuite, j'ai fait une carbonate flamande avec de la bière. Très bien, ça. On va manger une carbonate flamande. Un bilout. Hein, un bilout. Oh. Servi avec des pommes dauphines. En plus, on fait la avec des pommes dauphines. Avec des pommes de terre dauphine, pardon. Et ensuite, je vous ai préparé des petits fondants au chocolat avec un cœur chocolat blanc. Waouh! Servi avec sa crème anglaise, s'il vous plaît, que je n'ai pas faite. C'est bon, mange. Et je suis en train de faire des meringues. Et c'est ce que j'allais dire en ce matin. Voilà, donc maintenant, il va falloir patienter encore un petit peu. Ouais, c'est pas grave. Voilà ouais, le repas pas de trop ce quand soir. Même, hein. Ouais. Voilà. Maintenant, tu nous dis tout ça et il faut qu'on patiente. Est-ce que ça te plaît, Jean-Philippe, pour retourner? Formidable. Ah bah surtout que je viens d'arriver et je découvre, donc oui, bien sûr que ça me plaît, c'est un joli repas d'anniversaire. Et pour moi. Allez, nous on se retrouve tout et à l'heure. Pour Jean-Philippe, ouais. Et pour nous. Ouais, à tout à l'heure. Je vais leur laisser quand même. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, c'est bon, on se régale. C'est très, très, très bon. Carbonade flamande, t'avais déjà mangé? Oui, mais au restaurant à l'Homme. À l'Homme, c'est là où je suis né, arrête tes conneries. Bah oui, qu'est-ce que tu crois? J'allais aux mines de l'Homme. T'allais aux mines? J'ai bossé aux mines aussi. Bah oui. J'ai fait mes premiers J'allais aux mines de l'Homme. Mes premiers mois d'apprenti là-bas, je me suis fait virer.
Ah, ouais. C'était toi qui courais devant le camion comme ça. Il y a un restaurant là, le Mine. Il y avait un resto, j'ai fait apprenti là. Et c'est là où on mangeait la carbonade. Je sais pas, ma tête elle devait pas lui revenir. Il m'a dit, oh, je te garde pas, je me suis barré. Ah ouais. Ouais. Et après j'ai trouvé un petit restaurant espagnol en Violine, là c'était canon. Ouais. Et dans le Violine, j'allais. T'as été au Mine de l'Homme, oui. C'est excellent ça. Allez, on continue de manger et on passe à la suite. Lucas, si vous voyez ce que je veux dire. Ils savent déjà quasi, ils savent déjà eux en fait. Bah ouais. Les bandits savent déjà ce qu'ils savent déjà. Ouais. Ah, trop fort. Et ouais. Ça y est, on a ramené son petit gâteau, regardez. Ouais. 54 ans, le vieux. Voilà, on arrive, on attend que Théo arrive parce qu'il faut qu'on change la batterie dans l'appareil, ça va bientôt couper. Ça va être bon ça. On a préparé la petite estrade là-bas, voyez là. Il a quel âge? 54. Attention, ils arrivent pas. Est-ce que ça va lui plaire? Hein? Faut se dépêcher. Tu rentres quand tu veux! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Jean-Philippe! Joyeux anniversaire! Tu peux descendre ton gâteau? C'est un malade! Ah putain! Allez, bonbon! Excellent! Mais doucement, faut pas que ça tombe! Ah la vache! Vas-y, vas-y, coup sec! Wow. C'est bon, c'est bon, c'est bon, laisse! Non, mais qui le voit en face? Stop! Voilà! Happy birthday! To you, happy birthday to you, happy birthday. Ouais, non. Allez, tu souffles. Formidable. Il souffle. Ouais. Eh, joyeux anniversaire, vieille branche. 54 ans! Ah, t'as bien mis à l'endroit, par contre. C'est excellent! Ouais, ça caille! Bon anniversaire! Merci beaucoup! C'était pas mon côté, hein! Non, rien! Oh, c'est le. Merci, mon poteau! Mais t'es fou, hein! Ouais. Vous êtes des fous! Hein. Allez, regarde, ça va servir, non? Ah, bah ça! Hey, tu m'étonnes que ça sert! Et je n'ai rien percé! J'ai gardé ton support d'origine! Ouais, j'ai vu, comme je suis pas chez moi! Je savais pas si j'avais le droit de faire des trous ou pas, donc du coup j'ai tout remis comme c'était. Non, Je me suis bien fait chier. Voilà, comme tu commences à te faire un peu plus vieux, on a dit que ça serait pratique un petit palan électrique. Qui peut soulever 600 kg quand même. 600 kg, bah, donc c'est pas le petit. Hein. Tu peux faire un moteur. Ouais. Putain, c'est excellent ça. Voilà, on espère que ça va te plaire. Tiens, vas-y, essaye-le si tu veux, sans le gâteau. C'est un truc de malade ça. Attends, tu peux monter de ça? Là, tu peux t'asseoir dessus. C'est 600 kilos, je crois. Non, non, non. T'as 18 mètres de câble. 18 mètres? Ouais. Attention, Julia. Et maximum 600 kilos avec la poulie de mouflage, tu sais. Sinon, 300 kilos en direct. C'est un truc que t'aurais pu mettre aussi sur un avant de camion, ça? Ah non, 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 bon, non. Papa, 600 kilos, t'as la poulie de mouflage. 600 kilos, un truc de camion. Non mais je veux dire... Pour lever une moto ou quoi? Ouais. Ah ouais, peut-être bien, ouais. Oh là là, on se régale. Chouchou, elle nous a fait des petits fondants au cœur chocolat blanc. Ah oui. Oh là 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 là, on s'est régalé. Merci bien Chouchou, t'as très bien cuisiné. Merci. Ah ouais. Voilà. La cuisinière, c'est elle cool. Est comme ça. Ça t'a plu? C'est super bon, regarde. Hein un petit fondant de chocolat comme ça, avec le chocolat blanc, la petite crème autour. Oh là là, nickel. Ça sert pas de fête. Hein. Son anniversaire, comme je vous disais en vidéo, c'est lundi, mais nous on le fête maintenant ce week-end, comme on va pas le voir lundi.
Et voilà. Alors c'était surtout aussi le cadeau qui était dans le garage. Du coup, on était obligé de lui dire ce soir, sinon il l'aurait grillé. Demain, il l'aurait grillé dans son garage, lui déjà. Ça enfin, c'était dur. Ça a été dur de ne pas aller dans son garage ce soir, alors vous imaginez demain. Donc non, franchement, c'est cool et ça te plaît. Ouais, on ne savait pas si ça allait te plaire, c'est pas évident. Hey, c'est des fous, hein. Ils m'ont fait un super cadeau. J'ai dit un outil. Bah ouais. Il n'y a que ça qui marche pour les décolleurs. C'est les outils, les cadeaux pour les décolleurs. Hein. Moi, dès que je peux m'équiper, en plus, voilà quoi. Non, non, franchement, ça va servir en plus. Bon, mais on est super contents. Alors, si ça te fait plaisir, cadeau. C'est le principal. Voilà. Ouais. Allez, on vous laisse. Allez. Gros bisous à tous. Ça va, bisous. On finit cette petite soirée tranquille entre amis. Gros bisous à vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas le live dimanche soir à 19h. On va mettre 19h parce qu'on aura sûrement des trucs à faire. Et abonnez-vous sur Instagram. Bisous bisous. Au revoir. Au revoir. Bon, faut que je vous partage la conversation qu'on a eue tout à l'heure avec la XTG Family. J'en peux plus de Jérémy, mais j'en peux plus. Écoutez le message qu'il a laissé à Julien. Bah nous, on laisse toujours des mots-clés et pas des commentaires. Heureusement que ta femme est là pour te répondre. Tu vas te concentrer un peu, Julien, et écoutez ce qu'on a à te dire, hein. Ah, impossible, ça. Ah, il m'a tout échauffé d'un coup, là. J'ai envie de prendre mon camion, il est dans la boue. Donc nous, on met souvent les mêmes mots-clés. Qui nous ressemble en fait, c'est-à-dire beau gosse, belle gueule du 49, gros sein, grosse fesse, grosse cuisse, et puis on en rajoute d'autres en rapport. Grosse fesse. C'est pour toi. Enfoiré. Et on en rajoute en rapport avec notre vidéo. Allez, ciao.